Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'information TV News. Je suis Camille Riwal et voici les titres de ce journal. La campagne Déposons les armes est officiellement lancée. Elle se poursuivra jusqu'au 31 décembre. La série policière Capitaine Marlowe est actuellement en tournage à Saint-François. Et enfin, Simon Vainqueur revient sur sa révocation de la chambre de métier et de l'artisanat. Elle est officiellement lancée. La campagne Déposons les armes a débuté ce matin à la préfecture de Basse-Terre. Objectif, inviter la population à venir déposer ses armes en gendarmerie et dans les commissariats. Et ce, sans crainte de s'exposer à des poursuites. On voit tout ça avec Marjorie Nadal. Sur cette affiche, des Guadeloupéens et Guadeloupéennes à différents moments de leur vie, mais avec la même crainte, celle de la circulation des armes. Ne laissons pas la Guadeloupe à la merci de la violence et des armes. Agissons ensemble et déposons. Jusqu'au 31 décembre, chaque Guadeloupéen détenteur d'une arme est invité à la déposer en gendarmerie, au commissariat ou auprès de la police municipale. En échange, si l'arme n'a pas servi, il n'y aura aucune poursuite judiciaire. Aujourd'hui, procureurs, préfets et forces de l'ordre ont officialisé la campagne 2019. L'occasion de rappeler que si les chiffres de la délinquance sont en baisse, il faut continuer à lutter contre la violence et la circulation des armes dans l'archipel. Il s'agit là de cibler exactement un public bien particulier qui est celui domestique, hein, qui peut se retrouver avec un héritage d'un grand-père qui est décédé ou avec une arme de chasse qui n'est plus utilisée. Donc on n'est pas sur la question de l'éradication des trafics d'armes qui fait l'objet là, des actions de la police et de la gendarmerie. Les médias, en partenariat avec la préfecture, ont pu signer une convention ce matin afin de diffuser l'information aux plus nombreux. Ce message sera partout. Lignes de bus, affichage urbain et même boîte à pizza, la campagne se veut massive. Tant que nous n'aurons pas asséché les viviers, nous la poursuivrons. Et puis c'est une opération, j'insiste, d'éveil de conscience. C'est une opération déposons les armes. Ça n'est pas une injonction, c'est prenons conscience tous ensemble de la dangerosité des armes. Depuis la première campagne de 2013, l'opération a permis de détruire près de 700 armes et plus de 11 300 munitions. Une web-série consacrée au chlordécone, c'est l'initiative lancée par la préfecture de Guadeloupe sur Internet. Il s'agit alors d'un documentaire de 9 épisodes qui présente l'état des lieux de la pollution au chlordécone. Le premier volet est consacré à la présentation de la molécule et montre comment la pollution a commencé à se répandre. Une autre série mais télévisée, cette fois-ci il s'agit de la série policière Capitaine Marlowe diffusée sur France 3. Eh bien, la société de production a choisi la Guadeloupe pour le tournage de certains épisodes et plus précisément la ville de Saint-François. Marius Mathieu s'est rendu sur les lieux. Des acteurs prêts à tourner et une gare maritime de Saint-François transformée en plateau de tournage. La Guadeloupe accueille pour 16 jours l'équipe de la série télévisée Capitaine Marlowe, un programme à succès national qui n'a pas oublié dans son casting quelques figures locales. Je suis gosérienne, je suis comédienne. Un Marlowe se fait ici en Guadeloupe, c'est normal que j'y suis. C'est pas une question de fierté, c'est normal que j'y suis. Parce que je suis une comédienne que tout le monde connaît ici. 15 comédiens locaux participeront au casting de la série policière, ainsi que 120 figurants et une vingtaine de techniciens de la Guadeloupe. Les décors naturels de l'archipel et la présence d'employés qualifiés font du territoire une terre d'accueil rassurante pour l'organisation des tournages. On est venu en Guadeloupe parce que c'est une collection qui s'appelle Capitaine Marlowe. Et que le personnage principal interprété par Corinne Maziero mène des enquêtes. Et elle mène des enquêtes évidemment en France puisqu'elle est gendarme. Et on trouvait amusant que Corinne Maziero arrive en Guadeloupe invitée pour passer une semaine de vacances et qu'il y ait tout de suite une enquête qui lui tombe dessus et qu'elle soit obligée de la résoudre. Les Guadeloupéens qui font partie de l'équipe technique sont très très bons et très efficaces. Et très sympathique et très discret. Voilà. 125 000 euros ont été investis par la collectivité régionale de Guadeloupe pour financer et encourager les réalisateurs à venir tourner sur le territoire. Avec à la clé un retour sur investissement non négligeable. On en profite aussi pour, à partir d'une subvention de 125 000 euros, de générer un retour sur investissement qui aujourd'hui sera de 700 000 euros avec Capitaine Marlowe. Donc on multiplie par 6 ce que la collectivité a investi au bénéfice des techniciens locaux et puis de tout.
tous les prestataires de services, que ce soit la ville de Saint-François comme aujourd'hui, la ville de Capesterre-Belleau dans quelques jours, ou le reste du territoire qui profite aussi de Capitaine Marleau. Une destination exotique donc pour ce programme qui rassemble près de 8 millions de téléspectateurs chaque semaine. L'épisode 20 sera entièrement tourné en Guadeloupe, à retrouver très bientôt sur les petits écrans. Il a été démis de ses fonctions le 16 octobre dernier. Simon Vainqueur n'est désormais plus président de la Chambre de métiers et de l'artisanat. Il a alors laissé sa place à Gabriel Foy, mais le feuilleton ne s'arrête pas là pour autant. Simon Vainqueur a tenu à s'exprimer à ce sujet. On l'écoute tout de suite. Ben écoutez, il y a une équipe qui est en place, on les laisse travailler. Moi, je ne suis pas du tout opposé à ce qu'ils travaillent, mais simplement, contrairement à ce que disent certaines personnes, je vais simplement dire que nous avons laissé une chambre de métier très très propre, que ce soit au niveau financier et au niveau administratif. Donc, ils ne peuvent pas dire aujourd'hui que j'ai laissé une chambre de métier en difficulté. Donc, le travail a été fait. Donc, vous savez, passer de 9 millions d'euros entre les charges et les dettes à 4 millions, ça n'a pas toujours été facile. Mais nous avons fait le travail, nous avons fait ce qu'il fallait. Et aujourd'hui, la chambre de métier, je dirais que les comptes sont sains et les services fonctionnent et que l'artisanat en général se porte beaucoup, beaucoup mieux depuis que j'ai été président de la chambre de métier. Et on termine avec Métamorphose, un séminaire sur les apports du coaching professionnel aux Antilles. Objectif, présenter les aspects de ce métier devant les acteurs de l'économie locale. Alors, quel est l'objet de ce séminaire? On écoute tout de suite un des coachs professionnels. Démystifier le coaching, mettre à l'honneur le coaching professionnel qui est rattaché à un code de déontologie, c'est-à-dire rattaché à une fédération de coachs, et donc mettre à l'honneur les coachs guadeloupéens qui sont rattachés à un code de déontologie. Ça fait à peu près 2 ans que j'ai lancé la fédération EMCC Caraïbes ici, qui est une antenne d'une fédération qui compte 9000 membres dans le monde. On compte à peu près 20 adhérents en Guadeloupe, 25 en Martinique, 3 en Guyane et une à Sainte-Lucie depuis peu. Aujourd'hui, c'est un peu difficile de faire une cartographie parce que je pense qu'il y a deux fois plus de coachs que cela et qui devraient se rattacher au code de déontologie compte tenu du rattachement à une branche et du fait qu'on est reconnu actuellement comme un métier à part entière. On a beaucoup de coachs en développement personnel et de plus en plus je vois apparaître des coachs de dirigeants et des coachs de développement professionnel. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. La campagne Déposons les armes est officiellement lancée, elle se poursuivra jusqu'au 31 décembre. La série policière Capitaine Marleau est actuellement en tournage à Saint-François. Et enfin, Simon Vainqueur est revenu sur sa révocation de la chambre de métier et de l'artisanat. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV.